Thank you.
C'est terrible, Français! Je serai là pour vous défendre, madame! Je serai là pour vous protéger! Allez, assurez-vous s'il n'y a plus de danger. Je vous attends là, dans cette chaumière. Et surtout, bien sur mon bateau. Mon homme, mes vivants! Tout est là, exposé comme moi au pillage! Oh, allez, on t'ensuite! Et dépêchez-vous! Oui, madame la marquise. Mes amis, je ne vous quitte pas. Je ne vous quitte pas. Je vous confie mon honneur. Quelle position pour un intendant? Calme et pacifique. Assez voir tout à coup transporté au sein des horaires de la guerre. Alors, alors, Descartes. Honnête homme. Diable. Oh.
gaillards-là. Oh, oui. Les voilà qui se sauvent de leur montagne, comme si nous allions à la chasse. Monsieur l'officier. Sergent, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, rien. J'ai passé par hasard. Je voyage avec ma maîtresse, une grande noble dame. Qui m'a marqué, si vous le permettez. Son âge? 50 ans. M'accordez. Merci, mon officier. Sergent! Oui, mon officier. Sergent! Oui, mon officier. Sergent! Oui, oui, mon officier. Ah! Je t'aime,
Maintenant, Marie, j'ai à te parler. Non. Tes camarades racontent que depuis quelque temps, ils semblent les éviter. Et ils ont vu quelqu'un parler souvent avec toi. Que veux-tu? On n'est pas maître de rencontre. Figure-toi qu'un matin, je m'étais écartée du camp.
Je courais de rocher en rocher pour me faire un bouquet. Voilà que j'aperçois une fleur. La jolie fleur. Tout à coup, mon pied glisse, je me sens gris et je tombe. Ah, mon Dieu! Dans les bras d'un jeune homme qui se trouvait là. Dans les bras d'un jeune homme? Ah, ce jeune homme! Ce jeune homme! Ce jeune homme était. Suisse? Ah! Qui l'a donc rêvé? Ah, est-ce que je pouvais faire autrement? Je le trouvais sur mes pas, le matin, le soir, et toujours ses respectueux, le pauvre garçon! À peine s'il osait me regarder en parlant. Quel imbécile! C'est l'étranger qui t'aime. Ah, pour mon cœur, quel trouble extrême! Il vous emmène parmi nous. Puis-je chercher d'autre que vous? C'est un fait.
Il est là, il est là, il est là.
Rude. À ton aise, ma fille. Ah, quel mauvais caractère! Ils l'ont amené. Moi, qui aurais tant voulu causer avec lui. Pauvre garçon. Mets-le-la, mademoiselle. Mets-le-la. Nous sommes injustes, voyez-vous, mademoiselle. Ils ne sont pas si aimables. Le vieux surtout. Et mon père. Le vieux. Alors, je m'ai trompé. C'était l'autre. C'est encore mon père. Pas. Alors, c'était l'autre. Ils sont tous mauvais. Ah, ça. Vous avez un régiment de pêcheurs. Le régiment. Il n'y a pas une fille plus heureuse que moi. Mais enfin, Antonio, qu'est-ce que vous voulez me dire? Je viens vous dire... je viens vous dire... que je vous aime. Amour,
Je t'aime, Maria, je t'aime pour toujours. Plus tôt perdrai la vie, je perdrai nos amours, nos amours, nos amours, nos amours. Je t'aime, Maria, je t'aime pour toujours. Plus tôt perdrai la vie, je perdrai nos amours. Maîtresse Pacti. Vous en êtes sûr, mon Fantus? Rien que la vie me fait mal, honneur. C'est madame la marquise qui demande à vous parler. Hein? C'est madame la marquise? Oui, monsieur le capitaine. Urgent. Relançons mon voyage. Je voulais retourner tout de suite à mon château de Berkenfield. De Berkenfield? Permettez, madame la marquise, votre château, vous le nommez Berkenfield. Pardon. Quel rapport entre ce nom-là et celui de Robert? Et qui? Le capitaine Robert? Vous l'avez connu? Oh, beaucoup, monsieur. C'est-à-dire, non pas moi, mais une personne de ma famille. Ma sœur. Oui, monsieur, c'était ma sœur. Ah, et cette sœur? Elle n'existe plus. Mais de son mariage avec ce Français, il n'a quitté un enfant. Une fille? Comment savez-vous? Oui, monsieur, ma nièce. Elle était la seule héritière de ma fortune et de mon nom. Votre nièce? Qui serait baronne aujourd'hui? Perdue, abandonnée. Écrasé dans la foule! Mort! La pauvre enfant! Sauvez madame de Berkenfield! De Berkenfield! Sauvez! Grâce à nous! Vous la connaissez? Si je la connais. Elle est loin d'ici? À des pas! Oh, monsieur, rendez-moi ma fille! Ma nièce! Mon enfant! Conduisez-moi près d'elle. Mais vous avez la preuve, n'est-ce pas? La preuve... la voilà. Une lettre? Comme s'agir de ces femmes-là. Mais Dieu, j'ai lu, monsieur, cette lettre bien de capitaine Robert. Que dit-on, cette dame? Elle dit, mon enfant, que tu es sa nièce, et que voilà ton temps. Ma femme? Vous êtes ma femme? Mon Dieu, elle joue! Quelle éducation!
Attention. Oui, madame. Je vous délaisse votre instant. Mademoiselle Marie, il faut que vous reteniez désormais le titre et le rang qui vous conviennent. Et vous allez les suivre dans mon château à l'instant. Comment? Au château? Oh mon pernon, ma conti, mon vin rouge, mon cognac! La suivre! Abandonner mes amis! Oh merde! Je le désire! Et en besoin, je le veux! Et de quel droit donc, madame? Lisez, mon enfant. C'est elle. C'est elle. Kiki? Kiki? Qui n'a que vous monde? Monde. Que c'est romantique. Le caca? Un régiment tout entier. Thank you.
Notre mari, elle est belle,
Je vous souviens, impossible vraiment, ne dis pas un gagner. Thank you.
mariée à l'un des plus grands seigneurs de l'Allemagne. 150 quartiers de l'enfant. Si Marie ne vous enrage avec ça. Oui, madame la marquise. Oh. Approchez-vous. Approchez-vous. Je vous le permets. Depuis 3 mois bientôt que vous êtes ici, je n'ai eu qu'à me louer de vous. Et moi aussi, madame la marquise. Marie vous écoute. Vous avez sa confiance. Vous m'avez beaucoup aidé. Elle est plus gentille. Grâce à mes soins, son ton et ses manières sont en tête. Ont presque entièrement disparu. Oh, merci. Et j'ai pu lui choisir pour époux l'un des plus illustres seigneurs de la Bavière, le fils de la duchesse de Krakentorp. Et Marie? Mademoiselle Marie. Elle a consenti, mais avec cet empressement que j'aurais désiré. Aussi, je compte sur vous pour lui donner du courage. Nous signons ce soir même, ici, le contrat qu'on enverra au duc à la cour. Ma vie bandière, une future duchesse. Silence, au nom du ciel. Alors, approchez, approchez, mon enfant. Elle est charmante. Que de grâce! De modestie! J'espère, ma nièce, qu'aujourd'hui vous allez faire honneur en nous laissant. Nous allons essayer la romance nouvelle. D'un sujet ravissant! Les amours de Vénus! De Vénus! Du régiment.
cette inénienne distraction. C'est bon, recommençons. Thank you.
S'il vous plaît, donne des soldats. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mes amis, mes camarades, à qui tu vas donner le meilleur et le plus vieux cognac de ma bande? Entendu? Marche! Comment marche? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières là? Ce château est-il dans mon village? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cela me semble très étrange. Non, je ne marche pas. Hein? Si j'ai mes révoltes, oui, j'ai mes irruptions. Hein? À moins qu'on nous enlève. Eh bien, on les venait. C'est une erreur. Il est trahison. Un autre endroit. Thank you.
Se 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 se
ma nièce est promise. Dans une heure, on signe le contrat. Et je vous prie de quitter ces lieux à l'instant même. Nous reverrons, madame. Nous sommes seuls. Sulpice, écoutez-moi. Vous êtes un honnête homme. Vous ne voulez pas perdre une pauvre femme qui se confie à vous. Un cœur de soldat n'est trahi jamais. Marie est le fruit de l'amour entre le capitaine Robert et moi. Marie, votre fille. Oui, ma fille, dont il fallait cacher la naissance au risque de me perdre. Comprenez-vous maintenant pourquoi je tremble que mon secret n'éclate tous les yeux. Comprenez-vous aussi que j'aime Marie et que me l'enlever, ce serait m'arracher la vie. On ne vous l'enlèvera pas, madame la marquise. On ne vous l'enlèvera pas. Retenu par son service, m'a fait remettre sa procuration par laquelle il consent à sourire à mademoiselle Marie de... De Birkenfield. Birkenfield. Tous les articles du contrat étant arrêtés entre les deux familles, il ne reste plus qu'à signer. Ah, signer. Mais encore une fois, madame la marquise, et votre nièce, on ne se conduit pas ainsi avec la première noblesse du pays. Oh, oh, je me sens mourir. Ma mère, Marie, mon enfant. Enfin, madame la marquise. Oh, maintenant, j'obéirai. Je suis prête. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi.
moi plus me taire. Je l'embrasserai aussi.